Bonjour à tous. Eh bien voilà, comme promis, nous sommes à La Ciotat. On est donc le jeudi 29. On vient d'arriver, il est 17h. On a pris notre temps, on est parti à 9h ce matin de Rumilly et on a pris la route Napoléon. Et on n'a pris que les petites routes. J'avais absolument pas envie de prendre l'autoroute. Donc, eh bien du coup, voilà, on arrive seulement tranquillement. On profite un peu du paysage de la mer qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans. Et puis après, on va aller rejoindre notre chambre d'hôte. Et voilà, notre petit week-end de 3 jours va commencer. On vous le fera partager. Allez, à plus tard. Alors voilà, notre petite chambre d'hôte, elle est à 5 minutes, même pas. Et là, en fait, on est sur la voie douce. En fait, c'est une ancienne voie ferrée à La Ciotat qui a été transformée en voie piétonnière. Et donc, on la remonte apparemment sur 5 km. Donc là, bah, on est à apparemment un bon quart d'heure du centre-ville. Donc bah, écoutez, on va aller découvrir le centre-ville de La Ciotat et puis aller manger. Allez, c'est parti. Donc voilà, on arrive de la petite rue là, plein de commerce. Et on débouche sur le port. L'église là qui est magnifique. Les beaux oliviers juste devant. Là, je pense que le long du port, on va trouver des petits restaurants. Pour se manger cette soupe de poisson. C'est magnifique. Voilà, on est sur le port, regardez comme c'est joli. Avec le soleil qui. Enfin, le jour qui décroît, c'est superbe. Allez, on va manger. Ouais, on y va. Bien, bonjour à tous. Eh bien, nous voilà partis. Donc, on est le vendredi 30 septembre. Et donc, on vous emmène dans les calanques qui partent de Cassis. Donc, aujourd'hui, on a choisi de faire celle-ci, puisqu'on a dû reprendre la voiture. Et comme ça, on va éviter la circulation du samedi. Demain, on fera des calanques en partant de La Ciotat. Donc, on va vous faire partager. Franchement, là, on a un grand soleil, vraiment du ciel bleu. Je pense que ça va être très sympa. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je vous laisse admirer la vue qu'on a. On est seulement sur le début de la balade. Regardez ça comme c'est magnifique. Donc là, on est sur le GR51, si je ne me trompe pas. Et donc on va aller par ici, nous. Vous voyez, c'est interdit au vélo. Je pense que c'est parce qu'il ne faut pas abîmer le site. C'est vrai que les pierres sont très friables. Voilà, et donc nous... On va au calanque d'Envaux à 1h35 et le calanque de Porpin, je pense que c'est en fait la presqu'île qui est là-bas. Je vous dis peut-être parce que je connais pas le coin, mais disons que j'en déduis que c'est ça. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, on y va. C'est magnifique en tout cas.
C'est toujours aussi beau, et là on a décidé de faire un sentier panoramique vers la calanque d'Envaux. Regardez cette belle côte. Voilà, et bah écoutez, on y va, hein. Mais ça monte bien. Je sais pas si on va redescendre par là. Moi qui aime un peu moins les descentes que les montées, donc là a priori, on n'est pas sur le GR51, c'est une déviation. Mais en tout cas, pour aller voir le sentier panoramique, écoutez, si on a une super vue sur la mer. Ça vaut le coup. J'espère que je vous secoue pas trop en marchant. Je voulais quand même vous montrer le sentier qui est vraiment très pierreux. Et le monsieur qui est dans la chambre d'hôte nous avait prévenu que les pierres étaient très lisses. Et là, c'est vrai que vaut quand même mieux avoir des belles chaussures. Parce que ça, même avec les chaussures qui sont prévues, ça glisse pas mal. Ça va, Fabrice? Attends. Attends, on te voit pas. Hop là. Je suis là. Hop. T'es là. Toujours fidèle. Allez, c'est chouette, hein? Ouais, c'est super. C'est magnifique. Bon. On est bien content d'être là. Allez. Surtout un vendredi. Quand tout le monde travaille. Ah, je peux vous assurer que moi, en tout cas, pour moi, mais je pense que Fabrice aussi, je suis mieux là qu'au bureau. On profite. Excusez-moi. Excusez-moi les collègues, hein. Je suis pas très sympa, mais je suis quand même mieux ici qu'au bureau. Mais je pense à vous. Allez, on continue. On va aller voir cette belle vue sur la mer. Bon, je profite qu'il n'y a pas trop de passage. Vous voyez comme c'est magnifique. Franchement, c'est splendide. J'ai pas grand chose à dire parce que ça se passe de mots. C'est très très beau. Alors le sentier est quand même assez physique, hein. Il faut un peu grimper, je trouve, mais les rochers sont vraiment glissants. Mais franchement, pour avoir ce résultat, c'est top. Allez, on va aller un petit peu plus loin, mais on n'arrête pas de s'arrêter. En fait, j'arrive pas à marcher beaucoup parce que je suis simplement en admiration devant cette beauté de la nature. Comme vous voyez, Fabrice, il faut toujours qu'il fasse le cabri. Il veut prendre des petites fleurs roses en photo avec la mer derrière. Ceci dit, ça va sûrement être très joli.
Regardez là, on est sur le rebord d'une falaise. Et c'est toujours aussi beau. Alors je peux vous dire qu'en kilomètres, on n'en fait pas beaucoup là aujourd'hui. Hein. Je trouve qu'on est à 6 kilomètres, je crois, 7 kilomètres depuis ce matin. Et on n'arrête pas de traîner, de traîner, de traîner. Mais en fait, vraiment, ça appelle à la méditation et au repos et admirer, sincèrement. Aujourd'hui, je cherche absolument pas les kilomètres. Je les cherche déjà pas d'habitude, mais alors là, encore moins aujourd'hui. Allez, je vous laisse, on n'a même pas pris le pique-nique, on a juste de l'eau, c'est tout ce qu'on a. Oh, c'est pas grave, on a bien déjeuné. Bon, et bien voilà, on est redescendu et on reprend le, on retrouve le GR 51. Voilà. Et donc, eh ben, on a apparemment une heure et demie pour retourner à Cassis jusqu'à la voiture. Alors du coup, on n'est pas allé jusqu'à la Calanque d'Envaux. Apparemment, c'est marqué que l'accès est un peu difficile. Mais c'est surtout que je pense qu'on ne va pas avoir le temps parce qu'on a, on a mis un parcmètre et ça va être un peu compliqué. Allez, on continue. Donc vous voyez, la première Calanque était là. Et donc en fait, nous tout à l'heure, on a tourné là pour faire le sentier panoramique. Donc on a fait tout le tour qu'on vous a montré avec la belle vue sur la petite île là, il y a quelques minutes. Et en fait la descente, eh ben, c'était par ici. Et donc là on revient au point de départ. Donc il nous reste une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller jusqu'à Cassis. On fait une petite pause tranquille. Petit réconfort à Cassis. Bon, voilà, on fait une petite visite de Cassis que je ne connaissais pas. Donc, comme vous avez pu voir, il y a encore beaucoup beaucoup de monde hein, pour un 30 septembre. Les vacanciers ne sont pas tous partis. Si on est en automne, on a l'impression que c'est la fin d'été là. Il y a l'église au fond. Voilà, c'était une balade bien sympa en tout cas aujourd'hui. Donc voilà le port de La Ciotat. On a passé une super journée dans les calanques, on a grignoté.
Et là, nous rentrons. Et je voulais quand même vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est tout éclairé, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça va rendre sur la vidéo. En fait, c'est l'ancien hôtel de ville qui a été donc transformé en musée, donc qui relate l'histoire de la ville. C'est un bâtiment de 1862. Voilà, j'ai appris ça tout à l'heure, donc je voulais quand même vous le dire. Voilà, et là, on va longer la mer et on va aller se reposer pour prévoir une nouvelle journée dans les Calanques. Mais cette fois, nous partirons directement à pied de la chambre d'hôte. Et donc, on ira dans les Calanques qui sont autour de la Ciotat. Et écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée et à demain. Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà repartis en ce samedi 1er octobre. On est donc au parc du Muguel. C'est un grand parc de 3 hectares de la Ciotat. Et ensuite, eh bien, écoutez, on va vous emmener dans les Calanques pour découvrir d'autres Calanques. Je vous laisse nous suivre. On y va! Belvédère, il se mérite. On est redescendu du belvédère. On vient sur un autre point de vue du parc. Regardez cette roche là qui est toute abîmée. J'ai l'impression qu'il y a des morceaux qui se décrochent. Et voilà, sur la gauche, la Ciotat et son port. Voilà, on va bientôt ressortir du parc pour pouvoir récupérer les Calanques, puisqu'il faut qu'on ressorte du parc pour pouvoir aller aux Calanques. Alors, on est au début donc de la balade des Calanques de Figuerolles. Et donc, ce que vous voyez en face, ben, c'est les deux pics entre lesquels on est passé pour aller au belvédère tout à l'heure au parc. Voilà, donc ici, contrairement à hier, la roche est plutôt rouge. Alors qu'hier c'était bien blanc. Donc là, on a une jolie petite côte. C'est une mouche qui n'arrête pas de me chatouiller. Et donc là, je pense qu'on va pas tarder à arriver et voir la mer. Bon, je vais dévier juste pour vous montrer là. Un joli petit village blanc au loin. Et donc là, il y a la mer. Les branches. Voilà, c'est un autre style, mais c'est très joli aussi.
Oui, un petit peu de vent aujourd'hui, hein. C'est couvert, couvert. Bon, c'est un petit peu éloigné du chemin, du coup on va être obligé de revenir sur nos pas. Mais bon, tant pis, on aura découvert autre chose. Fabrice, lui, n'arrête pas de grimper, il fait la chèvre aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'ai bien fait de ne pas faire un brushing ce matin, hein. Ah, Fabrice ne peut pas s'empêcher d'aller grimper n'importe où. Ça va, Fabrice? Ça va. Bien, c'est bon, là. Ah bah déjà ici, donc j'imagine. Bon, on va essayer de retrouver le droit chemin. Ouais, mais là c'est mal parti. Ouais, si, si, on va y arriver. Non, on est perdu. Allez, mais non, on n'est pas perdu. Plus jamais chez moi. Allez, on y va. Bon, donc on a retrouvé notre chemin. Mais je vous cache pas que on vient de faire que de la route, on a traversé des lotissements. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, venez vous garer au parking, là que je viens vous montrer, de Notre-Dame de la Salette, et puis après vous y allez à pied. Parce que là, on a fait 6-7 km de route. Bon, certes, on est parti de la chambre d'hôte, donc ça nous a rallongé. On n'a pas voulu prendre la voiture aujourd'hui, mais bon, heureusement qu'il y a eu le parc, et puis le petit détour du coup qu'on a fait au-dessus de la mer, où j'étais bien coiffée. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va en tout cas à la chapelle Notre-Dame de la Salette. Et je pense que voilà, il y aura une vue sur la mer, je vous montrerai ça. Mais du coup, on a perdu beaucoup de temps, donc je pense qu'on va pas pouvoir faire de grandes balades dans les calanques aujourd'hui. Tant pis. Donc voilà, une belle montée pour aller jusqu'à la chapelle. Regardez, on croise des bêtes. Un renard. Non, je vous rassure, il est empaillé, malheureusement. C'est le renard vagabond. C'est le renard vagabond. Petit coucou à Yann. Bon, et ben voilà. Mais écoutez, on continue à monter, hein. Je vais arrêter de dire des bêtises. Donc nous voilà arrivés en haut. Donc la chapelle Notre-Dame est là. A priori, c'est fermé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas notre jour de chance, hein. Vraiment une église fermée, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, elle domine la mer. Par contre, c'est joli. On va aller jusqu'en haut là-bas. Mais elle est fermée. Bon, ben, comme vous voyez, on est revenu au port. Alors écoutez, aujourd'hui, c'était un peu compliqué, donc du coup, on n'est pas allé très loin dans les calanques. C'est pour ça que j'ai pas refilmé. En fait, les sentiers sont absolument pas indiqués. On repasse sans arrêt par la route, et j'avoue que ça m'a saoulé. Donc du coup, j'en ai revenu là dans le port. On est posé face à la mer. Finalement, c'est peut-être un message pour me dire qu'aujourd'hui il fallait que je me repose. Donc eh ben, écoutez, j'écoute le message et je prends ça avec le sourire. Enfin bon, vous avez eu quelques images sympas quand même. Là, eh ben, écoutez, on profite du port, hein, tranquillement. On est pas mal aussi. Et puis ben, écoutez, je vous referai peut-être quelques images dans la soirée de la Ciotta. À plus tard. À plus tard. Bonsoir. Eh bien écoutez, une petite vidéo de conclusion de ces deux jours donc dans les Calanques et à la Ciotta et Cassis. Écoutez, on a passé deux journées vraiment sympas. J'ai préféré la journée d'hier dans les Calanques de Cassis,
J'ai trouvé ça plus joli, mais bon, voilà, c'est une question de goût. Par contre, sincèrement, voilà, on a croisé beaucoup de gens. J'étais étonnée de voir autant de monde sur, là encore sur la Côte d'Azur, fin septembre, début octobre. Pour moi, il y avait presque trop de monde. Et en fait, ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que sur les chemins de randonnée, voilà, il n'y a pas l'ambiance qu'on a sur le chemin de Compostelle. Et voilà, le chemin me manque pour ça aussi, parce que voilà, on vit des rencontres très sympas. Et voilà, ici, ça, c'est pas du tout la même chose. Les paysages sont magnifiques, mais voilà, il manque l'esprit du chemin. En tout cas, j'espère que vous avez eu plaisir à nous suivre. Je vous retrouve certainement le week-end prochain. Je vais retourner sûrement faire une randonnée, si le temps le permet, en Haute-Savoie. Et puis après, ce sera le scellé et la rencontre des youtubeurs, où bah, vous pourrez rencontrer d'autres chaînes et moi, si vous avez envie de me rencontrer. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je pense que je mettrai la vidéo ce soir en ligne, ou demain, dimanche, si j'ai, je pense que je vais avoir le temps ce soir. À bientôt !